Bonjour à tous, aujourd'hui revue liquide et aujourd'hui on va parler d'un liquide américain assez particulier, le liquide yogurt par Flavise, donc un liquide qui m'a été envoyé par Sigatech pour en faire une revue. Voilà, donc un liquide très particulier qui nous vient des États-Unis, évidemment, encore une fois. On peut se dire, bon, des liquides de ce type-là, on connaît, on a déjà vu. Eh ben, vous serez surpris, en tout cas, moi je l'ai été. Et je vais vous en faire une revue parce que je trouve ça très très sympa. Il est présenté dans une petite boîte en carton comme celle-ci, voilà. Assez classique, un packaging blanc en carton. À l'intérieur, on va retrouver la bouteille donc, qui fait 30 millilitres, qui a déjà été bien attaquée. Je vous le dis clairement, j'ai dû me retenir pour ne pas la finir parce que c'est un liquide que j'ai vraiment apprécié. Donc, jolie bouteille transparente, juste écrit yogourt dessus. On va avoir donc... un packaging américain, si je dis pas de bêtises, il n'a pas été reconditionné, voilà, non, pas encore. Ah si, il a été reconditionné, donc, enfin, il a été reconditionné, il a été remis aux normes françaises, en tout cas, ou mis tout court aux normes françaises. On va retrouver donc les pictos, on va avoir sécurité enfant, pipette, une grande pipette d'ailleurs, c'est ça, c'est vraiment pratique pour aller jusqu'au fond chercher le liquide. Et on va avoir donc la composition, à consommer de préférence, le taux de nicotine. Tout est dessus et présent. Voilà, donc un liquide fait aux États-Unis qui est en 60-40, donc 60% de glycérine végétale, 40% de propylène glycol et qui est tout à fait transparent. Donc on pourrait s'en avoir un liquide blanc ou un peu spécial. Non, il est transparent, tout court. Et on va tester ça tout de suite. Donc c'est parti. Et c'est parti donc. On va tester ça ensemble. On va l'ouvrir. À l'odeur, pas de surprise, on a l'impression d'avoir ouvert tout simplement un yaourt nature et on retrouve exactement l'odeur d'un yaourt nature et ça c'est impressionnant. La dernière fois que j'ai eu ça c'était avec le milk. Donc le milk, vous avez peut-être vu la revue, donc ce liquide qui a un vrai goût de lait. Là c'est la même chose mais avec la version yaourt. Donc on n'est pas sur un liquide crémeux. Juste goût de crème ou odeur de crème avec ou de la chantilly ou un truc qui ressemblerait à du... Non, on est vraiment sur du yaourt nature. Au niveau de l'odeur, pas de surprise, on est vraiment là-dessus et c'est impressionnant. On va tester ça, c'est du 3 mg et on est en 60-40 comme je vous l'ai dit. Donc on a une belle vapeur, 60-40, pas de surprise. Très correct. Au niveau du goût, c'est une véritable claque. On retrouve clairement un goût de yaourt, mais un goût de yaourt bien particulier. Pas forcément le yaourt que vous allez retrouver donc au supermarché. Un yaourt, moi, qui me rappelle quelque chose, qui rappellera peut-être pas quelque chose à tout le monde. Si vous avez déjà goûté ces fameuses glaces au yaourt, donc qui se vendent dans certains endroits, donc c'est souvent des endroits spécialisés où on va retrouver que ça. Donc des glaces au yaourt où vous pouvez en mettre ensuite plein de choses. Hein. Vous avez des petits carrés de chocolat, vous pouvez mettre ou des fruits ou plein d'autres trucs. Et ce sont des espèces de... C'est très américain, des yaourts glacés. Donc du yogourt glacé. Et là, on a vraiment ce goût-là. Donc on a l'onctuosité et le vrai goût du yaourt. Avec en plus un côté sucré et gourmand, très agréable et toujours... fait dans une certaine dans un certain dosage, on va avoir quand même un liquide très équilibré qui est pas trop sucré, qui laisse donc qui en même temps apporte de la gourmandise mais en même temps va nous donner le goût du yaourt et le sucre va pas venir détériorer ce goût du yaourt qu'on peut reconnaître tout de suite à la vape. C'est un liquide très addictif. Honnêtement, voilà, la bouteille elle a pris une claque assez vite et là je pense que je vais la terminer après la revue. Mais voilà, c'est une vraie surprise. Et comme on l'avait vu avec le milk et ce fameux liquide au lait qui a un vrai goût de lait, là on est vraiment dans un liquide qui a un vrai goût de yaourt. Une vraie, vraie, vraie claque. Et si vous aimez donc le yogourt, donc si vous aimez cette fameuse glace dont je vous parle au yogourt que vous pourrez, que vous avez peut-être déjà pu tester, n'hésitez pas, vous pouvez foncer parce que ce liquide c'est vraiment une belle surprise et c'est pour moi une des belles surprises de l'année. Donc allez-y, le yogourt. Alors, pour conclure sur ce liquide, évidemment, je vais vous donner donc les taux de nicotine. Il est disponible en 0, 3 et 6 mg. Je ne l'ai pas vu en boutique en France encore. Donc, il est distribué par Sigatech. Donc, si vous êtes professionnel,
Rapprochez-vous de Sigatech pour peut-être le faire rentrer dans votre boutique. Bientôt, probablement en vente. En tout cas, je vous mets l'adresse de Sigatech pour le moment dans le lien en dessous. Donc, vous pouvez jeter un œil. Hein. Et puis, si jamais j'ai d'autres liens à vous proposer pour l'acheter, je vous les donnerai évidemment, comme d'habitude, en dessous de la vidéo. Donc, le yogourt de chez Flavise, un vrai bon liquide, une vraie belle surprise. On se retrouve très bientôt pour une prochaine revue liquide ou matérielle et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et surtout une bonne vape. Ciao!